deux ans, le SADEC, seul salon professionnel français dédié au marché de la cuisine équipée, ouvre ses portes à Lyon Heure Expo. Pour sa sixième édition, une foule de nouveautés attendait les 8756 visiteurs venus du 7 au 10 avril dernier. Nous vous proposons de découvrir notre sélection. Les fabricants de meubles ont profité du SADEC pour exposer leur nouvelle collection. Chez les Français, le modèle éclat de Charles Rema, avec ses niches en vieux bois massif, ses façades en laque mate soyeuse et ses terminaisons galbées, a fait sensation. De son côté, Discac a notamment dévoilé ses façades opale noir mat et Halifax en mélaminé à port synchronisé. Quand Chabert Duval exposait un concept avec prise de main asymétrique. Liu a rencontré un vif succès avec sa première cuisine sans poignée, alors que la marque Tesser effectuait son grand retour avec le modèle Esterel. De leur côté, les Allemands ont présenté aux cuisinistes hexagonaux l'ensemble des évolutions de leur catalogue 2017. À l'image de Noblessa et de la finition noir mat du modèle Brahms, des nombreuses solutions sans poignée de Hacker ou des nouvelles façades effet béton ou matière de Bauformat. Positionné dans la zone premium, KH System Mobile a pu démontrer son savoir-faire ainsi que la nouvelle finition métallique Pianovo. Nouveau venu sur le SADEC, Brigitte Kuchen a misé sur une superbe exposition caractérisée par des gorges en finition or et sur sa façade effet brossé pour attirer les visiteurs. Vous l'imaginez bien, nos amis transalpins n'étaient pas en reste. Impossible de ne pas retenir la nouvelle laque effet métal liquide d'Harmonie ou la cuisine Flux Swing signée Giugiaro pour Scavolini. De retour sur le salon, le fabricant avait également dédié un espace à son concept Diesel Social Kitchen au style industriel très remarqué. Autre représentant de la grande botte, Arredo 3 a séduit les visiteurs avec son implantation Zeta Tsei qui arborait des colonnes effet bois très chaleureuses et des socles de 6 cm. Reste Stosa avec un savoureux mélange des genres sur son stand. Très dynamique, le secteur de l'aménagement et du dressing a une nouvelle fois attiré les visiteurs. Portea a présenté sa verrière disponible en finition blanche ou noire, tout comme le fabricant girondin Sopam, dont le modèle affiche des profils haut de gamme. Ce dernier a aussi dévoilé les nouveaux décors et profilés de ses vantaux. Enfin, AGEM a profité du rendez-vous lyonnais pour présenter différentes solutions, dont un dressing avec lit escamotable et une verrière. Très dense, ce secteur regroupait les principaux acteurs du marché. Côté nouveauté, inutile de préciser qu'il y avait donc de quoi faire. Forcément, le lave-vaisselle Comfort Lift d'AEG et son panier inférieur relevable arrivent en tête. Mais attention, d'autres vraies avant-premières attendaient les visiteurs. Quelques exemples, le nouveau réfrigérateur avec cave à vin intégré de Beko, dévoilé pour la première fois sur le SADEC, et présenté en personne par Dominique Laporte, meilleur sommelier de France et meilleur ouvrier de France de sommellerie. Ou encore, chez Novi, les solutions d'aspiration Pure Line Compact et One Panorama. Grande nouveauté, le réfrigérateur Smart Window de Haier se caractérise par sa façade qui devient transparente lorsqu'on s'en approche. Le fabricant français en électroménager, De Dietrich a profité du salon pour poursuivre le lancement de sa nouvelle collection Fascination.
L'italien Smeg a de son côté présenté son centre de cuisson Portofino et un four de 90 cm. Kupersbusch sa ligne Individual et la finition Shade of Grey. Très animé, le stand Wetzug regroupait toutes les dernières nouveautés, comme le four MSLQ qui associe trois modes de cuisson ou le lave-vaisselle Adora. Sur le stand du groupe Whirlpool, la gamme Aria d'Indesit était en vedette. Tout comme le nouveau réfrigérateur encastrable Whirlpool de 70 cm. En face, KitchenAid a fièrement exposé et utilisé son plan de travail en inox nominé au trophée SADEC, ainsi que la nouvelle finition Black Steel visible sur un réfrigérateur et un duo de four. Dans le domaine de l'aspiration, Bora a logiquement démontré les atouts de sa nouvelle Bora Pro. Elika a misé sur sa hotte de plan Nikola Tesla, très simple à utiliser et à entretenir, alors que Roblin dévoilait pour la première fois sa nouvelle identité visuelle et sa collection entièrement revue et corrigée. Les exposants du secteur de l'équipement et des accessoires ont eu le vent en poupe sur le SADEC. À l'image de Simply Ceram et de son plan de travail associant une feuille de céramique de 3 mm avec un panneau de haute technologie, le tout découpable sur chantier. Juste derrière, Stratagem faisait son retour sur le salon avec une cuve sous plan qui a également marqué les esprits. Auréolé d'un trophée SADEC dans la catégorie plan de travail, Laminam avait mis le paquet sur son stand entièrement habillé de tranches de céramique. Sur le SADEC, Fidelem a misé sur les plans de travail en stratifié compact avec en point d'orgue une exclusivité qui affiche une âme coordonnée à la finition béton du plan. Côté point d'eau, Blanco a profité du salon pour dévoiler en France les nombreuses nouveautés aperçues lors de Living Kitchen. Parmi celles-ci, la bonde Infino, et l'évier Etagon, récompensé d'un trophée SADEC dans la catégorie équipement accessoires.